Meghan Markle et le prince Harry pourraient recevoir une énorme branche d'olivier de la reine avec une apparition surprise sur le balcon du palais de Buckingham, a affirmé un biographe royal. While Harry and Meghan have been snubbed from the royal family appearance on the balcony at Trooping the Colour, royal biographe Omid Scobby has said the couple may be invited onto the balcony later in the weekend. Mr. Scobby said, "Well, definitely see Harry and Meghan at the Thanksgiving service at St. Paul's Cathedral." Point alors qu'il a confirmé que Meghan et Harry ne seront pas sortis sur le balcon pendant Trooping the Colour, il a dit qu'il pourrait faire une apparition surprise le 5 juin, lorsque la reine pourrait à nouveau émerger sur le balcon avec des membres de la famille. Buckingham Palace a annoncé que le couple ne rejoindrait pas la famille royale sur le balcon plus tôt cette semaine. Il a déclaré que la reine a décidé que l'apparence emblématique du balcon sera limitée aux membres de la famille royale qui exercent actuellement des fonctions publiques officielles. Le prince Harry et Meghan rentreront au Royaume-Uni la semaine prochaine avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet, pour les célébrations. Annonçant le déménagement, un porte-parole du couple a déclaré, le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, sont ravis et honorés d'assister aux célébrations du jubilé de platine de la reine en juin avec leurs enfants. Point selon le Sun, ils devraient rester dans leur ancienne maison, Frogmore Cottage. Point des mesures de sécurité renforcées auraient été mises en place avant leur arrivée. La princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank, qui vivent actuellement dans le cottage, ouvriraient apparemment les chambres d'amis pour Harry et Meghan. Leur visite marquera la première fois que les Sussex reviendront au Royaume-Uni avec leurs enfants depuis qu'ils ont démissionné en tant que membre supérieur de la famille royale en 2020. Une source royale a affirmé que le prince Harry et William se sont échangés des messages et FaceTiming afin d'essayer de guérir la rupture signalée qui a émergé entre les deux frères. La source a déclaré au Mirror, le prince William voulait embrasser Harry et ils se sont envoyés des messages tous les quelques jours. Ils ont également eu des appels FaceTime avec leurs enfants. Ils ont ajouté, il y a un fort sentiment que ce qui s'est passé appartient au passé. William voit que Meghan est une bonne mère et une épouse loyale et il est vraiment content pour son frère. Il semble qu'ils aient tous les deux guéri la rupture et qu'ils soient de retour sur leurs anciens termes de copains. Point on s'attend à ce que la reine ait un rôle réduit lors des prochaines célébrations du jubilé en raison de problèmes de santé récents. The 96-year-old monarch may not receive the Trooping the Colour salute for the first time ever, with Prince Charles, Prince William and Princess Anne taking her place. While the Queen's presence at each Jubilee engagement will only be confirmed on the day of the event, it is understood she plans to attend a service of Thanksgiving at St. Paul's on June 3. The palace said the monarch has been suffering from episodic mobility issues.